Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour la partie 7 de Rayman 1. Donc on est contre le scorpion machiavélique. Et ce scorpion machiavélique, comme je le dis si bien, c'est un mini-boss. On a un petit passage avec lui. Et c'est impossible de réussir du premier coup, hein, parce que faut connaître par cœur ses patterns. À part être dieu, hein, faut peut-être s'appeler dieu ou chance man pour réussir du premier coup ce fight. C'est bon, là je le connais, donc je vais réussir. C'est un boss scripté, il fait toujours la même chose. Tu vois, quand on recommence, bah, il fait tomber les mêmes plateformes. Et là il fait exactement les mêmes attaques. Là il va taper deux fois par exemple et il va reculer. Voilà, c'est un boss scripté. Je suis pas trop fan de ce genre de boss. Hein. Alors, on esquive ce truc. Là vous allez voir, là c'est assez chaud. Voilà, c'est très juste. Là on court, on sprint. Oh putain. Le sprint de Dieu. Et voilà. Alors vous voyez, c'est impossible de réussir du premier coup sous cette phase. Et nous voilà contre le boss maintenant. Et par contre là je me suis pas du tout entraîné. J'ai pas voulu... Purée, j'ai voulu avoir la surprise pendant la vidéo. Ok, j'ai rien compris comment je l'ai eu, mais c'est pas grave. Ah, par contre il prend tout l'écran, donc je peux presque pas me défendre. Ok, faut tirer sur ce machin. Bon, c'est pas grave si je fail. Même si ça me fait un peu chier. Ouais, franchement si c'est ça à chaque fois, c'est un peu simple. Bon. C'est un boss assez répétitif. Hein. Ah, il lui reste plus que 3 vies. Ouais, il m'en reste plus qu'une depuis tout à l'heure. Ouais, j'ai failli me faire avoir. Il le balance plus loin qu'avant, là, la boule de feu. Faut que je fasse gaffe. Oula, qu'est-ce qu'il fait, là? Ouais, voilà, boss scripté. On sait jamais ce qu'il va faire. C'est impossible de réussir du premier coup à ce genre de boss. Mais bon, c'est les boss qu'on aime tant dans Rayman. La boule de feu, elle fait n'importe quoi. Mais... C'est bizarre, je lui tape dessus à la boule de feu, ça lui fait rien, là. Voilà. Encore un truc chelou dans Rayman. C'est pas possible. C'est vraiment un jeu... vicieux. Le gamin qui l'a fini à l'époque... Franchement, je sais pas comment il a fait. Hein. C'est. Purée. Encore touché pour rien. Hein. Je sais pas pourquoi. J'avais fait exactement la même chose avant. Mais... Ça n'a pas l'air de marcher à tous les coups. Ah oui, d'accord. Alors là, il la balance plus loin qu'avant. Bon. Alors comment on fait quand il la balance plus loin qu'avant, la boule de feu? Ben, je sais pas. Je suis paumé. Ouais, il la balance plus loin qu'avant. Ah, faut peut-être faire l'hélico. L'hélico juste après. Ce sera peut-être une petite esquive. Bon, il nous balance encore sa petite pince. Bon, cette attaque, elle est pas très dure. Surtout la boule de feu bizarroïde bleue. Désolé si je parle pas beaucoup, mais... Faut toujours avoir beaucoup de skill quand on est contre un boss. Surtout dans Rayman. Rayman 2 est 10 fois plus facile. D'ailleurs, je vais pas vous garder la surprise bien longtemps. Le prochain let's play, ah bah tiens, ce fut une victoire incroyable. Le let's play surprise en gros, let's play normalement de l'été, mais bon, j'ai pas trop eu le temps de le faire. Je pense qu'il passera, mais fin août, voilà, le début du let's play. Rayman, je t'en supplie, dépêche-toi. Ok.
Quelle histoire incroyable. Mais oui, ça sera un let's play de Rayman 2, mais Rayman Revolution, la version PS2. Voilà. Que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et ça sauvegarde, ça rame, et c'est bon. Donc, oui, Rayman Revolution, un jeu à voir quand même sur PlayStation 2. Là, faut faire quoi? Oh, je crois qu'il y a une histoire avec le palais de cristal. On l'a déjà fait. C'est bizarre, on les a tous faits. J'ai battu le boss. Que se passe-t-il? Pourquoi ça marche pas? Ah, ça c'est vraiment un truc qu'on ne peut pas trouver, mais je crois, parce que j'ai vu sur internet quelques trucs à ce sujet-là, je crois qu'il faut avoir tous les lums, enfin toutes les cages du jeu. Ça me donne envie de télécharger un petit cheat code. Enfin, on se reverra quand ce sera fait. Hein. Mais bon, vu que j'ai pas trop le temps, petit cheat code. Allez, à la revoyure. Et dans 5 minutes en fait. tout de suite, je reprendrai avec tous les lums. Enfin, j'essaierai de trouver un petit cheat code. Parce que bon, j'ai un peu la flemme de ramasser tous les lums, hein, de refaire tout ce qu'on a fait depuis le début du let's play. Donc voilà. Et on se retrouve pour cette fois-ci le château des délices contre Mister Dark, le beau gosse. Car je sais pas du tout ce qui va se passer. Là nous avons une phase avec une poêle, d'accord. Bon, d'après le titre, ce sont des défis. Donc après on aura peut-être le boss. Même sûrement. Ok, j'ai passé de vitesse. C'est une blague? Ah, on peut lancer le point. Attention! En tout cas, la musique est un peu chelou. Ah, j'ai enfin réussi à faire quelque chose. On peut pas se retourner, par contre, c'est un peu le point faible. Je vois pas pourquoi on peut pas se retourner. What? Bon, j'ai eu un ralentissement, mais je suis mort. C'est un peu con. On se concentre, on va pas faire n'importe quoi. Pleine vitesse. Alors, on a déjà réussi le passage assez compliqué. Donc faut sauter au-dessus des machins jaunes. Qui est du beurre, je crois. Je sais pas trop ce que c'est. Et nous avons réussi. Ce fut pas un défi très difficile. Ok, le beau gosse, il est là, Mister Dark, le méchant pas beau. Je crois qu'il y a Dark Rayman qui nous poursuit, je l'ai vu en une seconde. Sion. Ah d'accord. Et en fait c'est qu'il fait la même chose que nous. Donc en fait Mario, enfin Nintendo se sont inspirés avec Mario Galaxy, ils se sont inspirés de Rayman. Voilà. Allez, sale copieur. Ok, je fais quoi là? Bon, il m'a foncé dessus. Il nous one shot. Ah d'accord, je vais toucher. Bon bah il y avait une one-up en bas. Je pense pas qu'elle soit réapparue, non même pas. Dommage. J'aurais voulu qu'elle soit réapparue. Cette magnifique one-up. Putain. Ah, ça sent le continu. Le problème c'est que c'est un mot de passe que j'ai fait, donc je sais pas si ça va nous mettre direct. Ici, enfin si j'ai beaucoup de continu.
que je raconte. Non. Ah, là, faut sprinter. Tomber. Quoi? Il est plus rapide que moi. Il était rapide. Speed Gonzales. Je sais pas si il fait vraiment les mêmes gestes que nous. Mais si ça a l'air. Oh là là. Ah, ça va être prise de tête. Bon allez, continue. Ah, il y a 5 continues. Ah, ils sont sympas. Ils sont sympas au niveau des continues. Il y en a pas mal. Normalement, on a 3 vies, ok. En gros, on a 12 vies. Faut pas faire de la merde. C'est pas énorme, 12 vies. Alors que c'est pas énorme. Oh, purée. Ok. Le magnifique cri à la fin. Il y a l'autre qui tombe avec nous. Enfin voilà. C'est un peu galère de ce niveau. Falloir que je sprinte vraiment là. On va tomber tranquillement ici. Y'a pas de one-up. Comment est-ce possible? Normalement elle a dû réapparaître depuis. Avec le continu, je sais pas. Normalement, mais bon. Ouf. Bon après je sais pas comment faire par contre. Là où il y a un cul-de-sac. Là. Et tu veux que je fasse quoi? Là, il y a un truc qui est apparu. Vite. Ok, ah il fallait aller en bas. C'est une magnifique caméra qui est méga zoomée. Donc on est obligé de se retaper le début. Maintenant on sait comment faire le début. C'est tranquille. Beaucoup de die and retry quand même. Allez. Allez. Alors en fait il faut pas se poser de questions, faut foncer ici. Enfin, je voulais pas faire ça. Alors, on va sauter par-dessus lui. Alors, en fait le trigger il était derrière, il était à gauche. Pour pouvoir activer les nuages. Alors, je préfère courir. Hein. Je sais pas, même si lui il court aussi. C'est un peu con. C'est stressant ce niveau. Purée. Allez, vas-y. Mane tes fesses. Ok, il n'y a pas de nuages qui rebondissent. Bon, bah, ça a l'air tranquille. Un défi plutôt sympathique hein, de notre cher Mister Dark. La musique qui bug, ça change pas d'habitude. L'émulateur. Ok. Ah, il y a un truc en bas. Purée. Alors là, j'en ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Faut remonter là. Est-ce qu'il peut s'accrocher? Oui. Un sprint. Ouais. Fallait pas réfléchir. Oh non, je suis bloqué. Oh, cette chance. Il y a eu un trigger. Ah, d'accord. C'est des fourbes. Et voilà, il est dead. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? Oula. Ah, d'accord. Il inverse nos mouvements. Bon. Ça va être des niveaux assez chelous alors.
Putain, il m'inspire pas confiance celui-là. Ok, on peut pas le tuer ici. Un peu chelou ses ennemis. Concentration à 100% là. Bon, je préfère partir. Je peux pas m'avoir de toute façon là. Je pense pas qu'ils puissent sauter sauf s'ils sont méga fourbes là, les développeurs. Non, c'est bon. Ouais, c'est un niveau où il y a des clous. Là. Ce sprint. Ok, il y a notre pote qui est revenu. En fait, il nous assomme là. Il fait une onde de choc. Ok. Et voilà. Il est dead. Ah, c'est comme les. Ah, purée. C'est comme les hommes de pierre là. Ils sont super résistants. Les machins de pierre. Petite sauvegarde. Point de contrôle. Oula. Bon bah là ça peut aller, hein. Une petite phase de plateforme, mais c'est pas très dur. Mon dieu, les touches sont inversées. Ouais, j'arrête de faire l'embu. Bon bah c'est pas très compliqué. Et il y avait un point de contrôle pour ça? Bah yonk. Ils avaient fait tellement... Non mais Ubisoft avait fait tellement de trucs fourbes avant que ça, ça nous paraît rien du tout, quoi. Voilà. Fais gaffe puisqu'on glisse là-dessus. Sur la délicieuse petite crème, la petite pâte. La petite crème, plutôt. Oui. Ok. On est à pleine vitesse, là. Ah oui, ok. Ça, c'est digne de la fourberie d'Ubisoft. On recommence. Avec cette magnifique petite musique. Mais quoi? Et pourquoi il s'est pas arrêté? Ok. Il a foncé comme un taré. Il n'a pas qu'inversé nos sens. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on recommence ici aussi, même avec un continu. Ah oui, c'est parce que quand on glisse, après, même dans les airs, on glisse, en fait. C'est pas très logique, mais bon. C'est la physique de Rayman. Là, on sprint. On sprint aussi. Ok. Oui. Non, mais qu'est-ce... Quoi? Pourquoi il a glissé? On n'était pas sur la chantilly, là? Je comprends pas. C'est quoi cette blague? Ouais, faut pas courir sur ces trucs-là. Ah merde, mais je glisse dans les airs! C'est trop fort. Le seul jeu où on peut glisser dans les airs. Ah. Concentration. Attention. J'ai pas envie de me viander là. Je suis si près du but. Merde. Ok.